Bonjour, je suis Firecam, on se retrouve bien sur Grandia. Bonsoir à tous, comment ça va? Ça va bien? Peut-être, c'est moins sûr. Peu importe. Aujourd'hui... Allons, forgeron, savoir où est-ce qu'on va aller? Bien, après avoir vu la vache bizarre, tu bosses toi? Encore une vache? T'es un mage? C'est possible? Utiliser de l'argent? Je peux le faire. Grouic. T'as cochon celui-ci. Malin. Surtout pervers surtout. Ouh, il y avait un gros gonin par terre. T'as bien aimé ça. Bon, foutons le camp. Trouvons les rois mages pour pouvoir... Ah, ici? C'est notre Derlin. Ouais, pour pouvoir plus d'infos sur Alent, car maintenant on a quasiment toutes les cartes en main. Bien sûr, c'est une vache. Voilà, gueule du blouson. Hein. Incroyable. Et toi? Ah ouais, c'est lui. Racine de Moggy. Et pour terminer, oh coucou! Ouais, c'est vrai, que de la gueule. T'avais une bouche. Non. Ne dis pas que je devais chercher des plantes à la con. La musique s'est arrêtée de manière brutale et inattendue. Nous sommes des héros. Ouais, de manière, Milda. Ça fait deux fois aujourd'hui. Ouais, un expert. Oh, d'accord, il est venu ici. Ouais, sans mon Guido. D'accord, donc c'est similaire. Donc c'est lié à Gaïa, donc. Ouais. Gaïa est donc une pute. Mais à quelle fin a-t-il été créé? Ça, j'en sais rien. Ouais. Des esprits. Les esprits ont quitté les gens, ou leur âme peut-être. C'est un bon raisonnement. Ouais, tu es intelligente, Fina. C'est une femme, c'est normal. Garçon, c'est tapé. Ouais, apparemment, tu peux. Je suis une. Ouais. Ouh, ok, un jeu où personne ne meurt. C'est possible. C'est possible. C'est écrit où alors? Attendez, laissez-moi deviner. Dans des ruines enfouies au fond du désert, dans un temple, derrière une montagne, bien sûr, derrière une montagne, dans la forêt. Ah, non. Ouais. Oh, oh, nous devons, bien sûr. Comment y aller? L'autre sage, bien sûr, il y en a trois. S'ils en font un qui est inutile, ce serait... inutile. Quoi, il est pas là? D'accord. Où est-il? Mais où ce con? Grosse vache. Derlin. Putain! Bon. C'est lequel Derlin? L'autre c'est Darlin. Lui c'est Derlin. Oui, Derlin. Y'a rien à cette putain de carte à la... Ok, sud-est, berge du lac. Où est ce putain de nord déjà? Ma boussole. Non, l'autre côté. Truc à la con, en haut, et peut-être le sud. Sud-est, nord, sud-ouest, est, en bas à droite. Ce qui est du coup va être maintenant... En haut à gauche, peut-être. Des arbres, du bois, des mioches, les pires. Seigneur Dieu. Peut-être là. Un grange. Un lapin boisé. Quelle horreur. Faisons le tour. La sortie. Vers la berge. Donc on va voir quelque part. Un lac gelé. C'est ici?
Donc, le truc en haut de la boussole, c'est le sud. Ah, donc le truc rouge, c'est le nord. Ok, bah, ouais, j'ai pas vu le rouge. Je l'ai pas vu le rouge sur la boussole. Donc maintenant, je sais, trop tard, hein, pas grave. Alors, explique-moi. Bonjour, Sensei. T'en es cool, dégueulasse. Oui, vraiment, tu es bien cultivé là-dessus. Nous avons le pouvoir. Elle est ravissante. Quelle couleur c'était? Non, c'était pas bleu. On se souvient plus. Ouais, elle est belle. Trop jeune pour... Hein? Quoi? La médaille? Non, c'est fini ça. Oh, mais... Non! Elle sent un arc-en-ciel! Quel est ce bruit? Non, pas Facebook, impossible! Oh, il est fou à lit ce type quoi! Il doit être malade! Ouais, il le ramasse, ça rap. Sa corne? Le village! Ça me rappelle quelque chose. C'est pas une sorte de druide? Quand ils perdent leur coin, ils perdent leur pouvoir aussi? Oh, j'en suis pas certain. Si vous avez des infos ou des souvenirs par rapport à différentes références, je suis preneur. Dildo? Non. Effrayante. Ouais. Mais où est-ce qu'elle est? Allons, je ne sais pas où. Mais peut-être que en sortant, Milan va nous dire, c'est ici à droite. Le village du bas. Extérieur du village. Bon, ça a l'air plutôt simple. Je sors et j'y arrive. Pas de rencontre avec des mobs. Je vais flinguer plein en arrivant. C'est en train d'en affronter aussi plein au retour. Avant. Oh. Un truc terrible. Oh, ok. Au sud-est, je sais maintenant. Oh, vraiment, on sort, on le voit. Bien. Donc ces gens habitent à proximité de ruines qui sont infestées de démons. Par... Et des bestioles qui peuvent vous pétrifier. C'est... De rassurant, non? Un lac arc-en-ciel. C'est également là qu'on peut apparemment aller à Lent. Il m'a parlé ça au début avant de perdre la boule. Cette vache était donc une vache folle. Ah! Mes yeux! Ouais, c'est bien coloré. C'est pire, c'est dégueulasse. Bien sûr, des monstres. Sans monstre, il n'y a pas de jeu. Ouais, let's do it! Des vers? Je n'aime pas les vers. Oh. Le portail de la folie. Je suis arrivé par là, mon avis, donc. Quoique. Non. Pas venu par ici, moi. Où est-ce que je suis? Ça mène dehors, ça, c'est ça? Ok, bon, suivez donc la sortie. C'était pas forcément évident à savoir. Au moins maintenant, on le sait, donc moi, pas mal. Il y a un point juste là. Donc moi, au début, c'est pas mes skills. Plutôt évident. Starship Trooper! Quoi cette merde? Y'a des Staros qui volent. Étoile de merde. Ok. Rien à voir. Portrait costaud. Vulnérable physique, possible. Il prend des gros dégâts avec une arme qui est pas si puissante que ça. Ouais. Ouais, fais-le. Je me suis dit, vulnérable au feu, physique, c'est un coup combiné. La
combinaison est efficace au final. Donc, ok, feu fonctionne, apparemment. Et physique également. Plutôt bon signe, ça. XP est pas dégueulasse. Plus fort, plus puissant, Justin. Obtiens la grâce de ton seigneur Thorm. Voilà. Ok, numéro 1. Dès que rien n'ira plus. Et quoi, ça? Ghostbuster. Salut. Tu es mort, un arbre... pétrifié, tordu. On est dans le coin. Endroit donc bizarre, apparemment. Ouais, ça rebranche là. Allons pas trop loin pour le moment. La boussole m'indique le nord. Maintenant. Un esprit de feu. Je l'ai vu à Gumbo, cette merde. Les stars là, j'ai vu partout. Maintenant, dans ma poche. Une... Oh ? Quel pouvoir mystique ! Un feu follet. Il y a une maison en haut aussi. Quelqu'un pourrait vivre encore ici ? C'est quoi ? Chien de feu. Ça a du sens. Des flammes violettes. Ok. Que penses-tu de... Eh merde, je me suis pas reposé avant. Tant pis. Allez voir, du feu. La foudre. Non, c'est du feu aussi. Ça marchera pas. Le pouvoir de l'explosion. C'est du feu, certes. Mais combiné, parfois, ça fait un effet différent. Et même une unité qui est résistante ou immunisée au feu peut subir des dégâts liés à l'explosion. Ce sont des dégâts. Pas très puissants, certes, mais... À une extrémité. Ça alors, le fouet ne brûle pas. Ouais, non. Imaginez un jeu où vous avez un fouet. Vous tapez une créature enflammée, votre fouet brûle. Ce serait bien, mais encore une fois, trop compliqué à coder, je pense. Donc, on n'en demande quand même pas trop à ce jeu qui date quand même de pas mal d'années. Mais bon, c'est deux mois sont ici. J'aurais dû me reposer avant, moi. À une maison. Oh. Hey, doggies. Bien sûr, la glace marche plutôt bien. Je n'ai plus qu'à savoir comment on va se débrouiller pour ça. J'aimerais aussi essayer de la foudre. Juste par curiosité. Allons par là d'abord, parce que le reste, apparemment, c'est tout derrière. Bon. What the? Wow, son of a bitch! C'est quoi ça? Cactus mutant! Ok. Bon. Cet endroit ressemble absolument à que dalle! Ils sont fous ces gens! Fous! Ce village pue la merde! Y'a du pain par contre! Oh, des cubes de glace! Attaque les cactus! Dans une forêt, encore. Mamatos! Ok. C'est bien? Ça a quelques points de vie. La foudre peut-être va régler ce problème de vie en un instant, en un éclair même. Burn, burn. Goutte. Ok, c'est décemment puissant. Finish him. Stab dans le cul. Bon. Ok. Alors oui, pour l'instant je pense que c'est bien plus puissant par rapport à ce qu'on rencontre comme adversaire. Mais plus tard, bien sûr, le jeu va se stabiliser à une limite. Je ne comprends plus farmer pour être le plus fort de l'univers, je suis déjà. Mais on s'est entraîné non plus à pas trop loin pour pas non plus être trop pété. Et ce jeu est devenu extrêmement chiant. C'est moi. Y'a pas un truc dedans? Ah, dirais pas. En prenant la baguette et fuyons vers le passé. Kazako. Le saumon, mon préféré. Savoureux, hein. Prenons-le, parce que savoureux peut être bon. Deux maisons. Endroit pas l'air très bien, hein. Et visons cette merde, hostile. Qu'est-il là-bas? Des gold et un autre espace. Bon. Je pense qu'il faut prendre des maisons. Mais où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas, cet endroit donc est déformé, un peu comme ma patience. Il y avait trois. Le reste du chemin à explorer, donc pas de soucis. Allons-y, bravons l'inconnu et l'aventure. Voulons-nous atterrir à quel endroit? Xen? Où suis-je? Je n'ai pas été ici, moi. Non, je n'ai pas été, mais en tout cas, il y a de l'or. En tout cas, de l'or, de l'espoir.
Alors, allons ici avant, parce qu'il y a personne à flinguer. Ok. Un peu effrayant. Ici d'abord? Je pense que oui. Pourquoi pas? C'est un labyrinthe de cubes. Où est la sortie? Je parie qu'il y a un trésor qui traîne quelque part. Dans le coin. Est obligé. Je le sens. J'ai un don pour ça. Drop? Où sont ces fucking drops? You moron! C'est à gauche! Y'a aucun secret là-dedans! Bullshit! Tirons-nous! Non, on peut! Ouh, y'a un sphincter ici! Où sont les Staros? Ils sont volatilisés! Je vais les prendre dans le cul, moi! Non, ils sont là! Ok, attaquons le Matou! Maîtrise la pouvoir de la pyromancie bleue! Une dans chaque main, OP! Sphinx! T'es pas loin! Comment es-tu? On dirait que c'est une créature bête. Des animaux, de la fourrure, du feu. Possible. Non, jamais. Ok. Le feu marche pas trop. Dégâts physiques. Bourrinons à mort, n'ayons crainte. Ils ont pas mal de points de vie, j'en suis conscient. Emballé. Ils sont là que l'épée de Rap, qui est donc moins puissante que celle de Justin, soit plus efficace. La raison, ces créations sont, je pense, résistantes à la foudre, vu que l'épée de Justin fait des dégâts de foudre avec Zap dans l'occurrence. C'est possible. Où êtes-vous passé? Je vais le prendre dans le cul celui-là. Je vais le prendre. C'est vous ça? Ah, peut-être. Ouais, Milda a enfin passé un niveau, il serait quand même temps. Zemi drop également un objet. Vous savez, brise-cou. On a déjà eu plusieurs fois, c'est pour, je crois, vous immuniser. Vous retirer l'effet des skills que vous pouvez pas lancer. Ou alors ça vous l'inflige sur l'adversaire, qui est pas mal. Mimique? Possible? Non. Non. Alors, bâton. Fausse le combat. Est-ce que c'est confusion? Je ne sais pas. Prenons-le, parce que pourquoi pas. Mais l'effet que ça fait, j'en ai foutrement aucune idée. Espérons que ce soit... Non, juste une texture qui glitch. C'est possible, ça arrive, le jeu est vieux et... Bon. J'en ai déjà pas plus. Apparemment, c'était pas là. Donc, demi-tour. Oh, c'est vrai, il est par là. Oh, shit. Combien de maisons il y a dans ce bled pourri? Répondez-moi. Je sais pas, c'est le... Bon endroit, mais apparemment, la boussole, non, mais là juste con. Ouais, niveau 1, pourquoi pas. Ce niveau hors du temps et de l'espace peut être assez effrayant. Oh, dis-leur, c'est pas effrayant du tout, ça. Quel charmant accueil. Oh, c'est là que je dois aller. Merde alors. Ouais, où est le reste? Je vais aller voir avant. Rendez-vous. Ah, une des maisons que t'as pas encore vue. Ah, il y en a une qui était ici. Celle qui tombe. Où est-ce que tu mènes? Si là-bas c'est la sortie. Là, sûrement du bonus. Et moi, le bonus, j'adore ça. Où suis-je? Cet endroit sera-t-il le même qu'avant? Aucun adversaire. C'est louche. C'est très louche. Oh, tu es de retour ici? Vraiment? Bon, donc je suis moins récupérant, ça c'est fait. Mais donc je suis venu vers... Ici? Non, j'ai rien récupéré dans le coin. Je suis venu par un autre côté. Par là-bas, je crois. On va voir, prendre celui-ci maintenant. Je pense que c'est juste un raccourci, donc totalement inutile. Mais on ne sait-on jamais. Enfin, sait-on jamais. Si je sors... Oh my god! Quelle perte de temps! Bon, rendez-vous là-bas. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes! Espace déformé. Remarquez au moins, j'ai eu de la chance. Sur 3, j'ai pris la bonne porte.
Un point. Et juste là, j'ai... Ouais, bon. Pas grave, je peux voir la suite quand même. De mise. C'est quoi ça? Ok. Un émeraude de vache. Le pire des émeraudes possible. Peut-être un code de couleur. On a vu un vert et un violet. C'est pour le sérieux, c'est pour décorer. Je ne sais pas. Où sont les habitants? Ils sont restés ici. M'attaque pas, hein? Ok. Alors, c'est moi qui le fais. Maintenant, on a un humain qui a été saphirisifié. Saphirifié. Vous n'existe pas. À mon avis, c'est juste de la merde pour décorer. Je vois mal ça. Oh. What the? Double embûche. Waouh, ces mecs sortent du côté espace-temps. C'est incroyable. Il n'y en a pas ici? Non. Juste le cristaux. Impossible. C'est ta corne. Est-ce qu'on l'a trouvé? Ah, on n'est pas loin. On se rapproche. Vous voyez une traverse de port. Pourquoi pas? Où sommes-nous? Oh. C'est une. L'escalier. Plus d'argent. Encore et toujours. Embuscade? Je m'y attends maintenant. Ah, non. C'est plutôt voyant, cela. Ok, demi-tour, et grimpons. Tant que j'ai pas devant les yeux la sortie, moi je suis aux anges. Qu'est-ce que c'est? Intéressant? Pas intéressant? Un casque d'ogre. On a trouvé des cornes, pas les bonnes. Casque là plutôt solide, moins 10 de coups. Pour le peu de défense, c'est toujours bon. Ouais, vas-y, pourquoi pas. T'as pas beaucoup de points de vie de toute manière, donc tu prends un coup dans la gueule. Tu pourrais vite mourir, comme ce qui est déjà arrivé plusieurs fois, même si j'ai fait le con. Je sais, je sais. Alors. Il y avait des ronds là-bas. Je les ai vus. Sur la gauche. Il me semble. Yep. Cet endroit est vraiment surprenant. Une espèce de gaz néfaste à la surface. Donc c'est pas un gaz qui peut pétrifier comme ce gars. Attends, j'y pense. Ce mec-là est pétrifié. Le reste, également. C'est pour Ashley Agaya, ça? Je crois que oui. Je suis arrivé par là. Allons-y. Il y a un chemin qu'à là-bas, mais... Non. Bon, bah. Pas moins les ronds. C'est dans ce coin-là. On peut qu'il y a un chemin. Celui-ci. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Ou alors c'est... Non, c'est un village. Village de l'aide. C'est dit, au pire, ce sont des Icariens qui se sont solidifiés dans des cristals pour éviter qu'il y ait... De Wada! Oh mon dieu, il y en a combien? Donc voilà à quoi j'avais pensé. Pourquoi pas se cristalliser au final pour ne pas mourir? Où est-ce que je suis, moi? Des embranchements multiples. C'est confus. La confusion, j'ai pas été ici. Allons derrière, je crois qu'il y avait... Un seul endroit où je n'ai pas été, avant de m'engager dans cette destination qui a l'air plutôt multiple. On va faire moi faire ça correctement. Ah ah! Et prendre ceci et la thune qui est en haut. Je l'ai vu. T'as vu, Sagouin. La puissance, en force. Ouais. Je sais, c'est quand même le mec qui a le plus de force. Donc je vais laisser un petit peu aux autres pour la servir. Mais en l'occurrence, lui, quand il fait un gros skill, au moins ça marche. Il y a un pont de lumière. Que se passe-t-il? L'or est là-bas. Il semblerait que donc le chemin du milieu peut mener justement à ce trésor. Alors, allons le prendre directement pour ne pas oublier. Il y a un chemin qui est à gauche aussi. Des cubes! Un autre chemin. Ok. Avant tout, prenons l'or. L'or à l'appel. Ah, salaud! Le chemin du haut apparemment est plus tortueux que ce que je pensais. XP un peu, toi. T'as que de la magie. Et au niveau 3, t'as accès au skill. Pour pouvoir XP correctement. C'est long, fastidieux. Mais utile. Oh, mais putain! En voilà un truc de fastidieux aussi. T'as une embuscade. Ils aiment bien dans ce jeu. Maintenant, problème. J'ai un nouveau chemin par là aussi. Va falloir y aller, je pense, pour... Oh? Mais qu'est-ce que... Où est-ce que j'arrive, moi? C'est quoi cette merde? C'est là que je dois aller en plus? Vraiment. Pas convaincu, hein.
Larrez-vous par là-bas. Faisons demi-tour. C'est ici. On le voit. Un grand pont. Oh my god. C'est tout ici. Téléportons-nous. Plus rapide. Ok. Donc voilà en bas des marches. Donc. Chemin ici. Non, c'est un comme un endroit bizarre et effrayant. Allons-y après, au retour. Après, je pense, un peu de combat. Encore un. Ok. Si toute cette boîte m'emmène toujours au même endroit, là c'est clair, ça va chier. Ça va chier. C'est quoi ça? Oh, utilité. Zéro. Bon. Celui-ci, je sens bien celui-là. Hola. Hola, Fio. Attention. Où tu me mènes? Où tu me mènes? Hein? C'est avant de traverser ça? Je crois. Ok, c'est inutile. Et celui-ci? Où me mène celui-là? Droite? Yep. Observons la puissance du cube! Non, voilà, venu! Au début du niveau! Oh mon dieu! Ils ont osé! Rendez-vous à destination! Cet endroit déforme aussi votre volonté de continuer ce jeu! Oh! Oh! Oh, les gens. Oh, un sphinx invisible. La puissance. Oh non, il va m'avoir, j'en suis sûr. Il va me tomber sur la gueule. Je vais pas pouvoir éviter. Je sens. Je te tiens, mon salaud. Je te tiens. Il y en a deux. Il y en a combien, donc 6. 3. 2. Oh. Vous savez que l'époque, je n'ai vu un seul. Il y en avait 3 dessus. Ah, pas grave. Tapons et tuons. Faisons ce que nous savons faire le mieux, nous perdre. Non. Oh, ta gueule. Je souffre, créature. Waouh. Final, la flotte marche mieux que la foudre. J'ai oublié de voir ce qu'il me lançait comme spell. Ça aurait été intéressant. J'irai voir plus tard la vidéo pour me donner une idée. S'il lance de la foudre au final, c'est parfaitement logique. Parfaitement. Bon. Plein de portes s'offrent à nous. Pas bon signe, ça, non? Oh, bon signe. Il y a de l'or, ça! Il y a combien de portes, seigneur? C'est des fausses? Ouh! On peut pas les prendre! Il y a combien de chemins pourris, aussi? Oh, j'ai eu peur! Il fallait... Oh, d'accord, c'est la vision au-dessus! Et là, ce qu'on voit, c'est en dessous! Ok. Peut-être une cabane dans le tas, peut-être? Comment le saurais-je? Ok. C'est la bonne. Allons-y. C'est rose. Pas que bon. Tout ce qui est rose, c'est agréable touche. J'espère que vous n'êtes pas épileptique ou daltonien. Sinon, ce magnifique graphisme, vous ne pouvez pas le voir. Oh. Qu'est-ce que... Tentacule super mutante. C'est quoi cette merde? Dieu seul le sait. Et le pauvre, s'il le sait, pas bon signe. Pas coupé dans le vif du sujet. Trésor derrière. Non, mais il y a un passage. C'est quoi cette merde? Avouez. Les textures. Ce background. Tout est là pour faire peur. Que peux-tu choper d'ici? Peut-être 3. Peut-être. Ce serait intéressant. De monter pour sentir ce qu'il y a l'épée, c'est important. Tu es très bas level, niveau skill, compétence, magie. Il n'y en a eu que 2. Ah, tant pis. On va le fouetter. Fouette ton de mer. Sado Mazo. Ça marche bien. Ouais. Merde. Où est-ce qu'on va arriver? Le Kraken. Enfin. On en a déjà un, mais il était taille mini.
Avec tes tentacules, elle doit être plutôt monstrueuse. Apprends-moi, Sensei. Guide mon chemin. Ce niveau pue la merde. Je le sens à 3 kilomètres. 3 putains de kilomètres. Oh, du pain pourri. Et de l'or. De l'or pourri. Le prends. De l'or rose. Puis-je passer? Oui, je peux. Les cactus. Ils aiment cet endroit. Pour quelle raison? Je ne sais point. Il est vrai que ce niveau a l'air relativement grand. En revanche. Ok, pas d'embuscade. Une chose est bien. Ce n'est pas une forêt, si vous voulez rappeler la. Voilà. On s'en rapproche. Maintenant, les travers de port. Si vous vous souvenez de la map, la savane, ce niveau était bien trop large et pour explorer, c'est relativement chiant. La boussole m'indique par ici. Ça ne peut pas. Hein. Non. Bloqué par une tentacule. Ok. Faisons le tour donc. M'attaque pas. Pour une fois, c'est plutôt bon signe. Ok. Ce mec-là s'amuse entre eux. Amusez-vous les gars. Fuck yourself. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Il y en a un qui est par là. Ok. Je veux voir ce qu'il y a ici. Je veux voir. J'ai vu un truc pour explorer. Ça ne peut être que d'effrayant. Ouais. Effroyablement grand. Le niveau n'a plus aucun sens pour moi. Tu es mort pour moi. Récupérons notre richesse enfouie dans cette merde. Ouh, un coffre. Ouvre-toi, liberté secrète et mystère. Les bottes de loup. Chaud. Coup chaud. Les coups, je vois ce que c'est. Non, c'est les chaussures. C'est bien pour taper. Ouais. Pas de soucis. Grosse botte. Ouais. Bon. Bah. Un objet utile. Pour une fois, ça fait longtemps. Généralement, après le niveau optionnel, on n'avait que de la merde. Moi, c'est possible. Ok. Oh putain! What? Impossible! Une vague de cactus! Voilà ce que c'est! Elles sont là-bas, elles dansent! Elles dansent de plaisir. Petite merde. Mourir en enfer. Peut-être là où on est actuellement. Ai-je tout exploré dans le coin? Ça m'a l'air de parer! Ok. Alors allons. Non, pas dessus déjà! Attention, est-ce qu'il vous crève? Là, dans ce coin-là. Qu'est-ce que je fais? Explore! Le bas... Allons à droite. Le haut était, je crois, bloqué par une tentacule mystique. Pas de chest? Presque. J'ai vu une potion. Potion. Donne-moi des stats. Ou un truc super utile. Oh! Vitalité! Je ne sais pas qui en a besoin pour l'instant. Alors, patientons. C'est pas si urgent. Je ne meurs pas dans l'immédiat, donc pas de soucis. Oh, j'arrive par derrière. Où suis-je? Oh. Les Sphinx Ninja. Où sont-ils? Oh, les voilà. Attention. Oh, un coffre. Où sont-ils? J'en veux pas. Ils sont là! Ah! C'est pas eu! Cette puissance! Comment puis-je faire pour la contrer? C'est trop rapide! Je vais vous avoir. Je le sens. Aïe! Ils ont peur. Mais tant pis. On va se casser. Ouais. Prenons ça barre en nous. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'XP. Si j'ai pas envie qu'ils me tombent sur la gueule. Sabot de fer. Ouais, 3 de force en plus et moins de coups. Ah, peut-être, si vraiment je prends cher pour l'instant. Je suis à l'abri. Bon, barrons-nous. Les armements n'arrivent pas. Hop, parfait. On se repère. On se distingue des êtres normaux. En se taillant un chemin. Dans cette forêt de tentacules. Allons par là. C'est par ici. Je le sais.
Je le sens. Wow. C'est vrai. Les abrutis. Ils s'en foutent. Laissons-les s'amuser. Ils sont pas si méchants. What the? Vous avez vu ça? Cette tentacule, elle a voulu slapper mon beau visage. Dans quel but? Pourquoi elle ferait ça? Oh. Un point de sauvegarde. Pas de loot. Ah, si. Oh, un vagin vert. Quelle créature plus éthérée. Je n'en sais rien. Par contre, je veux faire une chose. Je veux passer à droite. Non, il n'y a que dalle. Ok, faisons une sauvegarde pour affronter. Peut-être un boss, je veux dire. Quelles sont les chances que ça arrive? Quelles sont les chances? 36 heures de jeu. Rien que ça. Cœur de l'espace déformé. Est-ce qu'en éliminant le problème de cette zone, les malheurs se seront arrêtés? C'est pas tombé un truc? Oh, il y a un cœur qui bat. Le cœur de qui? Le cœur de quoi? Un pénis géant! Elle savait. Oh, il nous a vus! Oh! Il chie des monstres! C'est encore Gaïa, ça. Le retour! Cette fois-ci, je vais te buter! La dernière fois, Lynn m'a empêché avec un pouvoir néfaste. Oh, tu es fort, créature. Tu es aussi fort que l'autre mec qui m'a buté, quasiment. Ok. Libérons la bête, libérons la foudre. Hiya! Les gars, descends. Alors, ça, je l'ai vu. C'était pas si efficace que ça. Mais la foudre marche plutôt bien. Et sinon, le coup de tort. Gaz poison. Encore. C'est une malformée avec mon pote. Goat. Le fils de Odin. Thunderclap. 710. Ok. Uppercut. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Au moins, toi, tu peux être... comment dire? De profil, comme un pro. Oh, je te tiens. Ninja Shuriken, contré. Hey. Mais pas grave, on va s'en tirer. Contrairement au boss d'avant, celui-ci peut être reculé. Donc moi, pas d'inquiétude à avoir. Tous les ennemis, j'ai pas un truc plus ciblé. Apparemment pas. Yep, la foudre marche du tonnerre. Littéralement. Milda, tape ce con. Il avance vite. Il avance progressivement à sa mort. Laissons le courant t'envahir. Et la supernova te détruire. Combo. Ça pique, j'imagine. Se descend. Ouh, son bras gauche est très très faible à la foudre. C'est bon signe. Vas-y Milda. Rock. Oh, tu es très puissante Milda. 600. Je veux faire une différence entre le mid haircut et le thunder clap. Différence, voir si c'est vraiment vulnérable à la foudre ou pas. Boum! Ouais, Underclap plus puissant! Qu'est-ce qu'il me fait? Le gaz. Du gaz rose! Kagebunshin! No destruction! Funa, vire le poison! On n'en veut pas! La force verte! Je suis force verte! Je vous ai planté. Les cheveux verts de Funa m'ont induit en défaut. Il fallait régénérer l'autre tâche. C'est pas grave. Kagebun Shino Jutsu. Démonte-tu sa race. Ça a l'air puissant. 500 je crois. C'est pas dégueulasse. Ouais, nice shot.
Donne-moi la puissance, le gold. Ah. Et descends. Pourquoi en concurrence avec Gaïa ici? Ils sont fait agresser, certes. Trou la corne. Ouh, un gros trou. Un trou dans un trou. Holeception. Miron anti-poison. Toi, régénère tes quelques points dans le deck qu'on a perdu. Hop là, let's go. Il y a un coffre au fond. Je l'ai vu. Si, il y a la corne dedans. Pourquoi? Oh, c'est un coffre. Really? Admettons, sa corne enferme un puissant savoir. Gaïa veut s'en approprier. Il a la corne dans son corps. On tue Gaïa. On prend la corne. Dans un coffre? Vraiment? Y'a quoi dans ce trou? Y'a rien. Par contre, un cœur bat encore. Et c'était pas le mien. Donc, à qui il appartient vraiment? Est-ce qu'on a une fois tué Gaïa? C'est pas sûr. Bien sûr, Grandia, demi-tour. Impossible, à pied, à patte. Rendez-vous au village pour la corne du vieux Schnock. Allons-y. Ah. Ça a été... C'est où ça déjà? Oh, l'auberge des Alpes, c'est vrai. N'oublions pas qu'à Savannah, il y avait un Schnock que vous pouvez pas encore aller. Ceci est-il notre prochaine destination? Apparemment, ce gros con m'a dit d'aller à la mare arc-en-ciel. Là, on était entre guillemets, donc c'est possible. Tiens, et comment on lui rentre dans sa corne? Où est-ce qu'on la met? Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on la met? Dans le cul? Ouais, comment on l'incruste? Elle a mise? Érection? Non, résurrection. Ah, ça rend des petites cornes, hein. Comment on dit? Gros gaillard, petite... Ouais, on s'en rapproche. Excellent. Oui? Non, le temple, c'est... Le badge. Le temple de Zilpadon. C'est un temple, je crois que c'était une ville qui rassemblait trois races différentes. Ouh, médaille de la sagesse. Ok, ça a du sens. Donc, j'ai le coffre, enfin, j'ai la médaille de Zilpadon, j'ai accès à l'autre temple. D'accord. Au cœur, il y a une fontaine. Ça doit être là. D'accord, ok, bah ça a du sens, c'est bon. Ouais, c'est la pinou. Ouh, ils sont si vieux que ça. Le temple de Zilpadon, ouvre la porte, c'est eux. Leur mérite, le se méritant, ça fait chier 36 heures sur ce jeu, Seigneur. D'accord. Ce qui est en bas. Bon. Je le ferai. Oh. Tu feras quoi avec? Ouais. Tu as des grosses patounes, mon gars. Tu as des grosses patounes. T'es eu à une putain de... J'ai pas vu avant sur son image si on voyait ses cornes jaunes avant et après que je les ai mises. J'ai pas vu. J'irai voir ça. J'irai voir. Ok. Parfait. C'est là plutôt simple. Je vais au temple, je prends la médaille, je vais ici, je la balance comme un caillou, et c'est terminé! J'arrive enfin à l'ent! Ça a l'air simple, vraiment! Ouais! Bon boulot! Hein? Pourquoi Milda? Oh! C'est compréhensible! Ouais! Ouais! Malheureusement, oui. Puissent nos chemins se recroiser. Vous avez bien aidé.
Bien plus que j'avais prévu. C'est clair. Entre nous trois. Non. Jamais. Ils vont le faire. Ouais. Ouais. Merci, Milda. Hein? Tout est gros. Ton château est là-bas, Milda. Ah, pas grave, on s'en fout. Hey, comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais, on fera ça. Attention. Non, pense pas que besoin de ça. Non, des nouveaux adieux. Moi, ceci a été bien moins pénible. Attends que j'y pense. Mais c'est 65, 53, 62. Tu es toutes désignées pour utiliser le fruit monstrueux qui va te marier à mort. Peut-être. Bon. Alors. Allons à l'auberge pour... Allons vendre avant. Allons. Allons à l'auberge avant. À l'auberge. Maintenant que Milda est parti, je crois qu'on a accès à un truc, non? Non? On va voir. Oh! Bah on a accès au skill de Milda, bien sûr. Skill d'épée, qui a plus de 20. Masse, plus de 20 aussi. Et hache, plus de 20. Skill gratuit, plus son stuff. Donc au final, pour le revendre. C'est intéressant. Hacher, couper, tuer. Les principes élémentaires de la vie. L'inventaire est plein. Pas grave. Allons revendre. Ok, donc je file les points. H, masse, Justin. Et l'épée, j'ai filé à Rap. Par contre, je pense que soit c'est un bug ou soit c'est logique. Écoutez bien. Par rapport à Gadwin, vous vous souvenez, son épée, il a servi tout le temps. J'ai gagné quelques points, genre 4 niveaux d'épée, alors qu'il était niveau 20. Et 20% de niveau 30 quasiment, enfin 30% de niveau 30, c'est environ 10 niveaux. Alors pourquoi? Là, à l'épée, j'ai eu 0 niveau. À la hache, j'ai eu 0 niveau. À la masse, j'ai eu 1 level, un seul. Pourquoi 30% de 20 niveaux, ça fait 1 ou 0? Je pense avoir un raisonnement logique, et que bien sûr, je pense que vous devez trouver également. Je pense que c'est l'XP que vous avez accumulé dès que vous l'avez prise avec elle. Elle a déjà beaucoup de niveaux. Elle a progressé facilement, je veux dire. À la masse, elle a eu que des kills et des dégâts à la masse. Elle en a eu très peu à la hache et zéro à l'épée. Donc, j'ai dû gagner avec elle 3 niveaux, peut-être à la masse. Donc, au final, 30% de 30% de 3, ça fait 1. Donc, j'ai eu 1 niveau. Je pense que c'est lié à ça. C'est pour ça que quand j'ai donné le bouquin dessous pour l'archer à Rap, directement on a gagné genre 10 niveaux ou 8 niveaux d'un coup. C'était d'un coup logique. Donc soit c'est ça, soit c'est un bug. Je me souviens que sur la version PS que j'avais joué d'origine, ça prend par rapport au niveau que vous avez antécédent à ça. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un souvenir erroné que je possède? C'est possible. Dans tous les cas, stat gratuit. Donc on le prend. Quoi qu'il en soit, stop là. C'est l'heure suivie. Je vous dis à la prochaine, faire comme ça que vous m'en avez, ciao.